problème qui gagne dans le pays, la majorité moun dans le pays, pas qu'on li. C'est moun qui a pli pour yo. Malo kap l'autre jour dans quatre campagnes de sensibilisation que le ministère a lancé dans la question COVID-19. Mal journaliste relèm pour yo al non intervention dans radio. Première question journaliste a posé m'bagay question Massissi ka marié de garçon ka marié l'église. M'di est-ce qu'on wèl déjà nan kòd la? Li di non. M'di mais c'est directeur d'opinion oui. Folie somewhere avant que pou di wap di yo di. Yon la fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Misère là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Ministre Condition Femme et Droits Femmes dans le pays, Marie-Ghislaine, mon premier, démenti des bacs à fête comme quoi un nouveau code pénal a encouragé l'immoralité dans la société. Et nous voulons faire connaître sous initiative Union Européenne, yon avion qui gagne là-dedans 70 tonnes matériel médical qui évalué à 140 000 livres rentré dans le pays pour porter soutien à gouvernement haïtien. Pour lutter contre maladie dans tout le pays. C'est information ça nous porter pour. Si c'est premier fois visiter nos informations nous partager ou intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de nous faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool yeah. Donc ça pour moi saluer courage président qui a subi toute attaque. Que ça qui gagne pour ouais avec problème société à qui normal et que ça qui caractérisé par la méchanceté ou bien par incompréhension peut-être des uns et des autres. Moi-même Marie-Ghislaine mon premier ministre condition femme avec la femme. Moi c'est un signataire décret qui prend son nouveau code pénal là. Moi même comme chrétienne protestante de la première église baptiste du Cap-Haïtien. Fière d'être protestante. Donc, laisse on a parlé de secte religieux. On a parlé de religion, on a parlé de secte religieux qui gagne en d'un pays. Et que nous connaît que nouveau code ça a parlé de ça tout. On prend décision fin parler matin. C'est parce que moi-même en tant que moun qui signe un décret ça, m'pa bouke pa recevoir appel. Toute la journée, même la nuit, moun apre le mboudim, nan ki m'entre la, ça m'signe là. Moi si yon décret côté que femme ka mariak femme, garçon ka mariak garçon. Et que ti fi kon y a 15 ans, tout ti fi ki gen 15 ans ka lage nan débauche. Papa, maman, frère, qui a fait petit à l'aise, qui a marié à l'aise. Si pasteur n'a pas marié, ma sissi qui est dans l'église, ou bien ma divinesse qui est dans l'église, donc, code pénal ça pour aller condamner lui. Moi-même, comme chercheur, comme moun qui remet un droit en pile, moi j'ai décidé de prendre des créas. Et feuilleté li page par page. Et moi constate que tout ça moun yo a dit ou bien par bonne foi que yo trompé ou bien c'est pas méchanceté, tout ça moun yo dit a pas rien en dans code pénal là qui dit ça. En passant moi voulais dire que la loi pénale pas gain analogie dans la loi pénale. Parce que l'application de la loi pénale est stricte. Si l'article a dit c'est 10 ans pour bon monde, il faut avoir 10 ans. Et moi-même, comme militant de la femme, qui travaille dans la question de la femme dans le département de la femme, c'est toute la journée côté doyen tribunal de l'instance cap-haïtien pour mal contester jugement
que y a une série de juges qu'on prend dans le tribunal là par rapport au décret du 6 juillet 2005 qui était concerné les agressions sexuelles et viols en particulier. Décret ça dit dans l'article 78 et suivant que si un monde commet un viol sous un adulte, bien que dans décret ça y a pas défini viol là et que décret ça qu'on y a là défini viol là, moun sa passé 10 ans en prison. Et que si c'est un mineur que viol la commet sous lui, moun a passé 15 ans en prison. Bon moun qui te violé yon l'autre moun. Une jeune fille qui sorti au cap qui prend les plaisance et l'an nuit barrel li al dormi nan yon commissariat. Fi a porté plainte que yon violé l. Le policier ça a jugé, il a bal 3 ans prison, moi protesté contre ça. Moi dit que supposé bal 10 ans parce que son majeur, parce que ensuite son lieu de refuge, son lieu côté que son monde sans en danger, c'est la boîte. En imparfait. Et moi même l'aime garder décret dans le chapitre agression sexuelle. Moi content parce que moi ouais que alors avocat et tout qu'on dit que on loi pas capable gain minimal là-dedans avec sanction minimale avec sanction maximale là. Faut gagner alors juge a choisi dans mi-temps pour bail sanction. Et l'aime garder dans code pénal là. Il dit que sous viol au monde, garçon viol au monde, bien quel que soit Jean Lia parce que parler de différentes manières au monde ca viol au monde parce que gain instrument tout que moun ka violer moun avèl pa gen ça nan l'autre code nan décret 6 juillet donc yo mette nan ça donc c'est ça qui fait que lèm gade moi que yo mette minimal là 10 ans et yo mette maximum nan 15 ans là pa gen sortir de là ou prend 10 ans quand même. Et soit aller mal ou ka prend 12 ou ka prend 13 ou ka prend 14 ou ka prend 15 ans tout. Donc moi même moi bat bravo pour ça. Maintenant pour nan ka ti moun mineur. Nan ancien nan décret que nous te prend 6 juillet 2005 c'est ministère condition femme avec la femme qui prend décret ça qui te pote l'aller pour que décret ça prend. Yo dit que si son mineur ko violé la puni de 15 ans. Qu'on y a dans le code pénal, le nouveau code pénal, là, yo mette peine minimale là à 15 ans et yo mette maximum là à 20 ans. Avait dit, on passe là quand même. Gen perpétuité là dans lui. Donc, si viol là aggravé, dans deux bagages, circonstances que monsieur a fait pour yo violer un petit monde, on passe tout 13 vies dans la prison. Alors, on code comme ça pour me demander que pour ne pas voter, pour ne pas. Bon, comme moi, m'ba parlementaire, m'ba voter, même signer le conseil des ministres. Et moi-même, moi, assumer responsabilité, m'assumer comme monde qui signe code là. Deuxièmement, nous voulons dire que tout le monde là, depuis ses charges sous président de la République là. Excellent Jovenel Moïse. Mais président Jovenel pas de travail sous code ça. Moi-même, comme membre barocap et comme ancien membre conseil, lors d'avocat barocap, moi, je travaille sous code ça. Sous le label de ancien ministre de la justice, maître René Magloire. C'est lui qui t'est venu avec projet ça, et nous travaillons sous lui. Que monde qui dans la magistrature, que monde qui dans barocap haïtien, travaille sous lui. Et ce podium, ça a été fait dans l'hôtel Christophe, au cap pour monde qui connaît le cap. Donc, on travaille sous lit. Bah, pour qui ça, je dis, que y a un code pénal qui est là depuis 1835, qui désuet, qui dépassait par le temps, parce que population est évaluée, et que dans bon sens, et dans mauvais sens. C'est pas même population que nous dégagnons. C'est pas lit qui l'a, je dis. Et quand pile bagaille dans le code ça, que, qui vient là dans lit, qui réprimait, yon série de bagay kap fèt an dan sosyete ak bad. An nou pou exemple.
dans question mercenaire qui moi que mon t'a parlé tout dernièrement là mercenaire vini avec zam dans pays là qui ça nous t'a pas condamné mercenaire parce que pas gagne loi qui dit que faut condamner si pas gagne loi pas gagne infraction pas gagne infraction sans loi donc loi qui réprime mon dans ce code pénal nous entendons de monde qui gagne gros connaissance dans pays là moun ki gen gros intelligence dans pays a parler de garçon doit marier avec garçon femme doit marier avec femme mais code pénal pas parler de bagaille comme ça code pénal pas ka parler de bagaille comme ça mariage sont acte civil donc le droit civil qui en dans droit privé à la branche du droit privé c'est lui qui règle la fait mariage le droit pénal c'est relève du droit public qui regarde bagaille l'état et droit civil là c'est rapport qui gagne entre les particuliers dans la société donc affaire mariage affaire vente affaire achat affaire de transaction qu'en fait c'est entre monde entre nous même dans la société ça c'est est régi par le droit civil le droit pénal maintenant pas qu'il y a un droit immoral comment l'a fait il y a un droit immoral puisque c'est sanction beauté c'est là pour sanctionner ça qu'a fait en dans société là m'pa wè comment que on moun capable di yon code pénal li amoral d'ailleurs si nous voulons parler de morale et droit la morale n'est pas le droit et le droit n'est pas la morale quand on parle de morale on voit le comportement intérieur côté que leader moralio qui c'est l'église en particulier c'est eux-mêmes qui vous travaillent dans la question pour qu'un monde bon pour monde dans son bon monde pour monde dans son monde que toute société a remé qui gens que monde ça son monde qui pieux son monde qui a marché droite ça c'est la question de ces leaders là moi-même pasteur l'église moi pas capable avec une série de bagailles parce que si wap di mon série de bagay faut moi qui ça côté le sorti problème qui gen dans pays a majorité moun nan pays a pas konn li c'est moun ka pli pou yo malo kap l'autre jour nan kad campagne de sensibilisation que ministère a lancé nan question COVID-19 mal journaliste relèm pou yo al non intervention nan radio première question journaliste a posé m bagay question massis ka marié de garçon ka marié l'église on dit est-ce qu'on wèl déjà dans code là il dit non il dit mais c'est directeur d'opinion hein faut li son wè avant que pour dire wap di yo di mais c'est nous même qui là pour nous capable éclairer mon yo et li disponible tout partout côté que nous ka joigni sur Google etc. Donc moi t'ai relevé quelques points, quelques articles moun yo critiqué. Article 38. Pour moi rete dans chapitre l'église là. Si maman l'église, moi même c'est maman l'église baptiste Cap-Haïtien bien. Moi baptisé, moi maman l'église. Moun yo parle de dans article ça 38, yo contesté article 38 là. Yo dit article 38 ça li rentre dans cadre pratique sexuelle. Article a parlé noir sur blanc mais li de légitime défense. Mais moi souligne li légitime défense mais article là. Noir sur blanc. Si on moun rentre la caille ou pour vinn faire mal à soi surtout ou bien la journée quelque soit lié ou par contre ça quand même moun so gen nan mon nom ça avait ou servi pour défendre tête. Il marque noir sur blanc, c'est légitime défense. Nous gain article 248. On y a parlé de article 248 ça. Il dit que article 248 là parlait de
action, pratique sexuelle incestueuse. Ça le parlait, il dit que le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sur une personne mineure âgée de 15 ans au plus. Donc, moi-même, je ne sais pas ce que je vais dire. Sur une personne dont la particularité, la particulière vulnérabilité due à son âge. Donc, si on monte, c'est par rapport à l'âge, à une maladie que mon n'a pas gagné, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, parce que mon enceinte, etc. Je dis que à raison de l'orientation sexuelle de la victime, on nous font y réfléchir sur ça. Moi-même, comme infirmière, je fais 25 ans de travail à l'hôpital. Yo homosexuel vin côté pour prendre soin parce que l'homosexuel m'a de bal soin. Ça qui bon doit ça. Mais ben, qui moun qui bon doit ça? Homosexuel aller devant avocat, avocat libre pour recevoir ou bien pas recevoir, mais l'a joindre à l'autre avocat quand même qui recevoir. Parce que la profession d'avocat est libérale, donc on peut ou bien ne pas assister telle ou telle personne. Mais la loi doit travailler, doit protéger et majorité et minorité dans la société. Et majorité et minorité. Donc, on nous chita sous COVID-19 là. Depuis un monde fait COVID-19, yon tiyo. Dans le pays. Donc, tout le monde a campé gardé, société a campé gardé parce que le monde est malade. On malade, il tombe sous lit, qui a pris n'importe qui yon tiyo. Alors c'est ça qui est immoral dans le code pénal là. Il y a plus non pour ça sous fait ça. Nous avons l'autre article côté moun yo contesté encore. Parce que moi relevé. C'est le chapitre des agressions sexuelles. Je dis le viol est passible de 15 à 20 ans de réclusion dans le cas que toute pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne sans son consentement, par violence, contrainte, menace, surprise, est un viol. Nous ne comprenons tout l'autre, mais surprise là, nous ne comprenons pas. Cette surprise là, il y a deux jeunes filles, ou bien trois jeunes filles qui n'ont classe ensemble. Il y a 15 ans, il y a 14 ans, il y a 12 ans, il y a 13 ans. Et puis, il y en a un qui a causé sexuelle déjà. Et puis, li invite yon lot ti moun pou di an ale, elle font ti promenade. Ou bien, nan pral ou moun, nou pral an kote le rive, se nan chan, kote moun, moun ki devyan, parce que moun kap viole moun, se moun ki devyan. D'accord, dans société, de bon moun ap viole moun, se moun ki devyan. Sou besoin koucha konfi, se pou mette gasou sou ou. Bon jen jan, pou al file fia. S'il d'accord, ok, mais s'il pas d'accord, on va mettre la patte sous lit. Et que, on va le balcar l'autre, lâcher d'un, pour faire tout bagage ça, yo, ça c'est violence et on va punir comme la loi dit. Lorsqu'il est commis sur une personne mineure âgée de 15 ans au plus, c'est ça, article a dit. Donc, on pas ouais ça mon yo a contesté là. C'est peine y a mettre pour vagabond dans la société là. Ça coûter pour un exemplaire moniteur non pas on dit parenthèse m'a fait. Faut que loi électorale la code pénal la tape disponible pour tout le monde gratuitement. Et l'île article en pensée article 328 qui parle de dépénalisation avortement dans le cas que son inceste ou bien viol. Nous avons mes positions pour dire que c'est vous même tant que ministre de position droit femme. 328, vous pensez. Sous dépénalisation avortement dans le cas où viol ou bien inceste qui ont avancé pour droit femme dans le pays. 328. Vous pensez que c'est 328 ou pas ça? Interruption, c'est ça. Illégal de la grossesse. C'est ça. Oui, avortement. Et moi, content, ouais, madame Amélie Ba, aujourd'hui, hein, moi, les gens, même pas, j'aime connaître où. Bien content, ouais, aujourd'hui, hein, d'accord? L'avortement,
c'est toujours interdit en Haïti. Mais, dans l'ancien code là, il y a main là-dedans. Dans l'ancien code là, 1835, il dit que pour les causes médicales, on va toujours avoir ton monde. Son monde enceinte. Et que, gros problème, ma pas accoucher, maman en danger si on pas retirer tout le monde. Faut retirer. Maman avant enceinte encore avant le petit monde. Pour des raisons médicales. Le fini gagné, placenta, comment est-ce que le placenta prévia? Qui c'est une cause, la grossesse qui a cause mon amour. Et après, dire parce que Timon en fait en dehors de la matrice. Grossesse ectopique? Faut ectopique, ok. Ectopique et placenta prévia. Tout c'est des bagailles qui règlent dans la question ça. Donc, médecin, c'est normal parce que. Yo ba on moun violé ou bien on équipe monsieur violé a relé viol collectif li pa konn moun ki violé là li pa konn avè se dan moun nan li pa konn rien l'ancêtre moun nan doit libre ou bien garder si moun nan ou bien retirer ça c'est ma position et en tant que chrétienne je le dis c'est ma position maintenant force moun fait avortement sans volonté, ils ont l'autre bagage. Et le code punit. D'accord? Le code là dit que lorsque l'interruption de la grossesse a eu lieu dans des conditions qui mettent en danger la vie de la gestante, ça veut dire mon consentement, par une personne non qualifiée, mon charlatan, dans un lieu autre qu'un établissement de santé publique, ou privé méconnu par le ministère de la Santé, ou au-delà d'un délai de 12 semaines, l'auteur est passé d'un emprisonnement de 7 à 10 ans. Et 75 000 gouttes à 150 000 gouttes comme amende. Mais l'État fait travail, lui. L'État a fait son travail dans ce cas. C'est tout ce que ça m'a dit. Peut-être que moi, quand je vais aller pour son monde pas satisfait avec elle, mais en règle générale. Parce que Kounyala a dit que ça, lui. Pénalisé dans un côté, mais du coup, implicitement, l'a autorisé avortement dans le cas de viol ou bien de grossesse. Ça, c'est une avancée selon vous-même? Oui, c'est ça. Parce que, on viole en monde. Ce sont nécessaires aux services médicaux qui étaient largement financés par la France et d'autres États membres. Donc, c'est pour ça qu'ils pourront aussi vous expliquer ce que, en tant qu'équipe, nous faisons tous ici. C'est donc un beau message de solidarité active qui répond à nos valeurs que nous avons avec le pays. Dans le cadre de la réponse globale, nous répondons à des besoins immédiats, mais pas uniquement. Nous répondons aussi à des besoins à plus long terme. Donc nous poursuivons nos appuis pour des réformes structurelles qui permettront au pays de pouvoir faire face d'une façon plus permanente et résiliente aux prochaines crises si elles arrivent. Et puis évidemment, nous travaillons toujours pour favoriser cette stabilité qui est indispensable pour que le développement puisse avoir lieu dans le pays et que chacun puisse aspirer et faire valoir ses besoins. Dans le cadre pour l'Union européenne, dans le cadre de cette réponse immédiate d'urgence, on parle de 15 millions d'euros. Donc ça doit faire quoi, 17 millions de dollars plus ou moins. Et là, il y a un certain nombre d'équipements d'urgence, il y a des activités à la frontière aussi, et on fait cela en partenariat avec d'autres organismes, notamment l'organisme, l'OMS, le PAO, UNICEF, on fait des campagnes de sensibilisation, on a différentes activités comme ça, mais grosso modo, c'est 15 millions. Mais ça n'est que la réponse, je dirais, d'urgence. Il y a aussi la réponse à plus moyen et long terme, qui elle est évidemment beaucoup plus importante. Et on avait communiqué il y a quelque temps de cela, on a environ 165 millions d'euros qui restent encore à engager. Et nous sommes en discussion avec les autorités pour voir comment mieux les utiliser pour répondre aux besoins à plus long terme, aux besoins à plus long terme suite à cette crise. On parle, comme l'ont mentionné mes collègues ici, par exemple, déjà de réponses dans le domaine de la nutrition, de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de possibilités.
La coopération française en Haïti est une coopération qui s'inscrit sur la durée, qui est en place depuis longtemps et qui est faite pour durer. Mais à l'occasion de cette crise, nous avons voulu apporter une aide immédiate à Haïti pour aider Haïti à lutter contre l'épidémie. Donc nous avons essayé de réagir aussi rapidement que possible. Et je vais, si vous le voulez bien, vous donner quelques informations sur cette aide Covid. Alors, en premier lieu, l'Agence française de développement a mis en place une aide de 1 200 000 euros qui est allée au centre Gueschio pour l'achat de matériel et la formation de personnel. Cet argent est arrivé et continue d'arriver. Ensuite, nous sommes en train d'instruire actuellement, ça va se faire, un projet de 5 millions d'euros avec Famille la Santé et avec le Laboratoire National pour renforcer les capacités d'Haïti de répondre au Covid-19 et renforcer ses capacités médicales de manière générale. Et enfin, vous savez que nous avons un projet très important, c'est celui de l'hôpital général. Nous avons décidé, avec l'accord du ministère de la Santé haïtien, de flécher 500 000 euros sur les sommes déjà débloquées pour la lutte contre le Covid. Donc vous avez, pour ce qui concerne l'Agence française de développement, les 1 200 000 euros au centre Gueschio, les 5 millions d'euros que nous sommes en train de mettre en place pour Famille la Santé et le Laboratoire National, et 500 000 euros que nous avons fléchés à partir d'autres projets. Ça, c'est le premier volet de notre aide. Nous avons ensuite une aide qui est venue du Centre de crise et de soutien français, qui est une aide de 940 000 euros et qui a été distribuée de la manière suivante. Nous avons 560 000 euros qui sont allés pour financer du transport maritime humanitaire pour que on puisse faire assurer des liaisons avec des régions haïtiennes avec des bateaux chargés d'aide humanitaire. Ça, c'est 560 000 euros. Nous avons mis également 380 000 euros pour l'aide alimentaire d'urgence. L'aide alimentaire d'urgence pour la Grande Anse. Pour la Grande Anse, c'est 1000 ménages et 5000 personnes. Alors, cette aide humanitaire d'urgence, alimentaire d'urgence, s'ajoute à l'aide déjà en place, l'aide alimentaire française qui est de 1 500 000 euros. Donc là, ce sont des crédits supplémentaires. Et enfin, et on l'a vu dans l'avion qui est arrivé, vous avez beaucoup de collectivités territoriales françaises qui ont c'est-à-dire des villes, des régions, qui ont des liens d'amitié très anciens avec Haïti et qui font des gestes d'ampleur différente, mais qui font des gestes d'amitié vis-à-vis d'Haïti. Par exemple, la région Île-de-France qui va livrer des matériels qui arrivent d'ailleurs, qui sont arrivés à travers ce vol. Vous avez les pays de Savoie également, la Savoie. Vous avez la ville de Nantes qui a fait des gestes. Et vous avez, tenez-vous bien, la préfecture de la Martinique qui a livré aussi 11 000 litres de gel hydroalcoolique. Donc, vous avez cette action des collectivités territoriales. Là, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros à chaque fois. Hein, ce sont des gestes de cette ampleur-là. Voilà en gros comment la France s'est mobilisée à l'heure actuelle pour la réponse au Covid-19. Et je vous dis, cette aide s'inscrit dans l'aide plus générale qui est la coopération française. Nous nous apprêtons à engager seulement sur le Covid des sommes qui vont être à peu près de 7,5 millions d'euros. La coopération espagnole est très active en Haïti. Haïti étant des pays prioritaires pour la coopération espagnole depuis longtemps, je veux dire depuis les tremblements de terre, Haïti a été déclaré comme pays priorité pour la coopération espagnole, et ça se voit dans les actions qu'on soutient depuis des années, et spécialement dans
domaine de l'eau et de l'assainissement, la collaboration avec la DINEPA est très très forte. C'est un grand programme de 100 millions de dollars avec la DINEPA qui se développe à travers le temps depuis des années. Nous avons aussi des programmes dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et dans la sécurité alimentaire. Comme réponse immédiate à la crise du Covid-19, on a activé les agréments d'émergence avec des ONG espagnoles qui sont présentes dans les pays, comme Médicos del Mundo, Médecins du Monde, Espagne. Et on a donné une aide d'urgence, d'émergence pour les actions de sensibilisation, des matériels d'hygiène, des protections pour les personnels sanitaires, pour une valeur de 126 000 euros. Et en plus de ça, la Croix-Rouge espagnole et d'autres 5 NGO espagnoles qui sont présentes ici vont destiner 300 000 euros à des campagnes où sont en train de dépenser à campagne de sensibilisation, formation, achat de matériel d'hygiène et installation des points très simples pour se laver les mains. Dans le cadre du programme de coopération binationale entre les Fédérations nationales des maires d'Haïti, FENAM, et la Fédération dominicaine des municipios, FEDOMU, on impulse une coopération binationale à la frontière pour appuyer les mairies pour la gestion sûre d'ouverture des frontières dans les passages des personnes d'un pays à l'autre. On a aussi impulsé, ou on a aussi décidé, et une composante d'urgence dans les programmes généraux de la DINEPA et d'eau et assainissement pour une valeur d'un demi-million de dollars pour appuyer les plans de réponse proposés par la DINEPA et que vous verrez les prochains jours. On a préparé une grande campagne de sensibilisation avec des dessins, avec des petites vidéos et je crois que ça va avoir un vrai impact dans tous les pays. Et aussi, encore, on collabore directement avec FAO, avec l'Organisation de l'alimentation et l'agriculture ici en Haïti pour une alliance de sécurité et alimentaire pour faire croître, pour augmenter la sécurité alimentaire dans le sud-est d'Haïti. Et ça, c'est une action de coopération entre des différentes organisations, pas seulement la coopération espagnole et pas seulement FAO, c'est une intégration des efforts faits partout par beaucoup d'organisations. Et de la part de l'Espagne, on va financer cette année 2020 et 1 million d'euros pour 4 projets. Et ils vont être adressés à diminuer les effets de la crise alimentaire qui nous préoccupe beaucoup. Nous sommes en train aussi, mais encore dans une étape initiale de préparation et dans la préparation d'autres actions qui s'intègrent dans un vaste programme et des soutiens à la réponse mondiale pour le Covid-19 et on saura prochainement quelle partie de ces grandes alliances et qui va mobiliser selon les calculs initiaux faits par les administrations espagnoles, pas seulement l'administration centrale mais aussi l'administration régionale, ce qu'en Espagne on appelle les communautés autonomes. Et les mairies, on va mobiliser une grande quantité de ressources qui va arriver à 1500 millions d'euros. Mais ceci est une décision générale pour le monde et une partie de cette grande décision viendra arriver à Haïti dans un moment donné. Mais encore, c'est trop tôt pour en savoir comment ça va
se développer. L'Espagne soutient l'Organisation mondiale de la santé. On a établi un nouvel protocole de collaboration avec eux. Et beaucoup des actions qui vont être faites dans le monde vont être entreprises par ou à travers l'Organisation mondiale de la santé, qui en Amérique latine, c'est la OPS, l'Organisation panaméricaine de la santé. Merci beaucoup. L'Allemagne soutient l'Haïti surtout à travers le Team Europe comme un des plus grands bailleurs pour l'Union européenne. Et aussi avec les ONG allemands et les organisations internationales. Le ministère des Affaires étrangères nous a signalé qu'il va soutenir avec une large somme de nouveau le programme alimentaire mondial pour Haïti. En plus de ça, le ministère a lancé une fonds de aide humanitaire comme réponse pour la crise Covid, et IOM Haïti va recevoir 1 million de fonds pour Haïti. Et il y a aussi l'organisation Malteser International qui est engagée en Haïti depuis longtemps, surtout ils sont à Cité de Soleil, et ils ont reçu aussi un fonds de 3,5 millions d'euros pour le projet dans la région. Et de cet argent, ils vont dépenser 535 000 euros dans leur projet à Cité Soleil contre le Covid. Et ça va être 75 000 personnes à Cité de Soleil vont bénéficier de cette intervention. Comme vous le savez, effectivement, l'Union européenne a un appui budgétaire avec l'État haïtien qui est assez important puisqu'on parle d'une centaine de millions d'euros. En ce moment, il y a sur le point de se concrétiser un top-up, un supplément de fonds qui va être alloué à l'appui budgétaire pour pouvoir répondre et aider le gouvernement à répondre aux conséquences de l'impact de cette crise. On parle de 37 millions d'euros qui doit être une quarantaine de millions de dollars. Donc c'est un engagement pour lequel il va falloir ensuite entrer en discussion avec le gouvernement pour savoir comment il pourra être déboursé et pour quelle activité. Ça, c'est ce qui viendrait se rajouter, se greffer à l'enveloppe qui existe déjà. Sinon, effectivement, nous avons un contrat d'appui budgétaire avec le gouvernement qui a certaines conditions qui doivent être atteintes par les autorités pour que l'on puisse débourser. Comme vous le savez, les conditions n'ont pas été remplies pour les 18 derniers mois au moins, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de déboursement durant cette période. L'une des conditions essentielles qui manquait, c'était un budget. Il n'y avait pas de budget. Donc, comme son nom l'indique, l'appui budgétaire appuie un budget de l'État qui désigne des champs d'action prioritaires de ses politiques. Maintenant, nous avons un budget avec le nouveau gouvernement qui a été nommé récemment. Il y a un budget qui a été approuvé, donc c'est une première étape, si vous voulez, qui va faciliter les discussions, bien entendu. Et là, maintenant, nous devons nous attacher à regarder si les autres conditions que l'on avait discutées avec le gouvernement sont remplies. Ces conditions s'attachent en général, bon, il y en a toute une série, mais à mesurer les progrès faits dans la mise en œuvre de réformes fondamentales dans la gestion des finances publiques, par exemple, mais pas uniquement. Donc il y a des aspects fiscaux, collecte des fonds, des impôts, et il y a des aspects sociaux, car il faut que l'État aussi remplisse pleinement son rôle en tant qu'autorité qui prend charge de sa population dont les besoins sont immenses en ce moment. Donc nous sommes encore en train de discuter. Il y a eu des progrès de fait. Nous en sommes ravis. C'est une bonne chose, mais je crois qu'il faudra, pour les programmes futurs, regarder effectivement plus précisément quels sont les bons indicateurs que l'on peut mettre dans un but d'obtenir des progrès constants. Vous m'avez parlé ensuite du climat général. Où nous en...
Oui, nous sommes vraiment préoccupés. Nous sommes vraiment préoccupés parce que cette instabilité et cette recrudescence de la violence que l'on voit un peu partout ne favorise pas la mise en place de politiques résilientes sur le long terme. Nous sommes préoccupés également puisque nous sommes dans une période un peu entre deux, on ne sait pas trop comment la qualifier, où le Parlement n'est plus fonctionnel, où les élections qui devaient avoir lieu n'ont pas eu lieu, où le mandat des autorités locales a pris fin. Donc c'est une situation qui ne peut pas perdurer, qui est préoccupante. Nous avons aussi évidemment dans nos conditions pour appuyer un gouvernement des conditions qui sont plus liées à l'état de droit et à la démocratie en général. Et là, nous sommes dans une situation qui n'est pas satisfaisante et qui demande à être réglée. Mais ça doit être réglé par les Haïtiens. Et je ne vois pas comment le pays peut s'en sortir s'il n'y a pas un accord politique minimal entre les principaux acteurs haïtiens. Ça me semble la voie pour pouvoir jeter les bases d'une discussion et d'un dialogue et sortir de cette impasse. Mais ce dialogue doit être un dialogue inter-haïtien. Et nous favoriserons la tenue de ce dialogue dans la mesure du possible, c'est certain. Mais encore une fois, la responsabilité revient aux acteurs principaux haïtiens d'avoir ce dialogue. Donc vous appelez aussi à ce que justice soit rendue aux victimes. Ça fait partie de notre ADN, si je peux dire. Le respect des droits de l'homme. Le respect de l'état de droit, le respect de la démocratie. Donc effectivement, il est important que toute exaction soit, que les enquêtes aient lieu et que les présumés coupables soient jugés et condamnés s'ils sont coupables. Ce que je peux dire en tant qu'Union européenne, c'est que nous avons des valeurs que nous exprimons régulièrement et qui ne sont pas changées, qui sont vraiment dans notre ADN, ça nous constitue, ça nous caractérise. Nous sommes sur la même ligne avec tous nos États membres, cela ne fait aucun doute, et nous continuons à faire valoir ces valeurs et à les appuyer. Et en partenariat dans le long terme avec Haïti, nous ferons tout ce que nous pouvons pour que ces valeurs fleurissent dans le pays. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que en écoutant largement ce que la population dit, je crois qu'il y a un accord dans la société haïtienne pour la plupart de dire que la Constitution telle qu'elle a été rédigée ne marche plus, ou en tout cas n'a pas permis de sortir de l'impasse dans laquelle on est à l'heure actuelle, et qu'il y aurait certainement donc besoin de repenser ce texte fondamental, cette loi mère. Pour repenser ce texte, il faut évidemment que ce soit fait d'une façon participative et inclusive, et c'est pour cela que nous en appelons en dialogue et nous voulons favoriser ce dialogue pour que les Haïtiens trouvent le système qui, maintenant, à notre époque, leur convient le mieux. Et c'est vraiment aux Haïtiens, via un dialogue le plus large possible, inter-haïtien, de trouver cela, et nous appuierons ce processus. Maintenant, quant à la substance, c'est aux Haïtiens de décider quelle doit être la substance. Mais il semble effectivement que sans changement, plus ou moins grand, de cette Constitution, on aura du mal à avoir des élections par la suite qui soient faites dans un cadre serein. Donc, voilà. Et nous appuierons évidemment tout dialogue pour... Et nous espérons d'ailleurs que ce dialogue aura lieu. Car sans accord politique des différents acteurs, les choses semblent difficiles, disons. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour être capable d'entendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babi zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien. Passez une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.